Et plop les gens, ici Zikino de retour sur Zerbillions. La dernière fois, on avait fait une petite pause dans le village de la Terreur. On était allé faire la prison, libérer quelques flammeurs. Comment ils s'appellent, je sais plus. Mais enfin, les lanceurs de flammes à la prison. Et on va retourner au village de la Terreur. Comme je disais en live, 7009, 7100, 13200. Et 2200, j'ai presque envie de faire cette horde et le centre médical avant de retourner faire les missions normales. Les missions de héros sont en général pas trop compliquées. Mais on avait commencé le village de terreur. On avait juste pas réussi la toute fin, la dernière attaque. Mais normalement, on devrait y arriver. Alors, on se met en pause tout de suite. On en a une qui fait ça, on en a une qui va faire ça. Une qui fait ça et une qui va faire ça. Et toi, tu vas commencer ici. Et j'ai oublié. Le petit fourré, il était pas là la dernière fois. J'ai un gros doute, mais pire, tant pis. Alors, tu vas nous faire une ronde comme ça pour commencer. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de nourriture, on va quand même essayer de faire la scierie assez vite. Mais oui, mais les bonnes scieries, elles étaient là. Excusez-moi. Alors, on va prendre ce 21 là, donc 19 ici, c'est possible. La droite, on peut pas. Du coup, si on a celui-ci, ça veut dire qu'on prend n'importe lequel. 18, 19, 19, 19. Celui-ci, là, mais on a plus de sous. Il devrait en sortir, voilà. Attention. Building completed. Units under attack. J'attendais de faire le premier
couche, la scierie, mais on va pas attendre. Bon, le soldier attire du monde. Hein. Elle avance tranquillement, mais elle, enfin, de ce côté-là, on a du mal parce que le soldier rameute. Tac, ici, on a quoi? On a 18, 18, 19, 19. Si je prends genre le 18 ici. Non, bah autant prendre le 19. Donc on va avoir un peu de génération de bois. On a de la nourriture autant qu'on peut pour le moment. Il va falloir qu'on agrandisse. Alors, plus une nourriture, on arrive au bout de l'énergie aussi. Alors 14, j'ai quand même un 16 ici, 18, 19, peut-être commencer par 19 là et puis on verra le 14 ou plutôt le 16. Mais on verra où est-ce qu'on peut mettre une scierie, voilà. Parce que là il y a du 10 mais là il y a du 11. Donc ici ou là. Les deux sont OK. Donc là j'ai 16. Et là je peux pas. On va prendre le 16. Normalement, voilà, on a quand même 10 ici. De nourriture, si on a de la nourriture là. Non, plus de nourriture. Plus de nourriture. Ici j'ai vu, mais c'est safe.
Ok, bon. Maintenant, on a plutôt investi en dans l'économie. On va un petit peu se calmer. Et on va investir dans nos premières casernes. Là, il va nous falloir de la pierre, il nous faut de l'énergie. Pour les deux, il nous faut un peu d'énergie. Où est-ce qu'on peut trouver de l'énergie? Nulle part, évidemment, on n'en trouve pas dans cette carte. Il faut se la fabriquer. Moins de bruit de papier. Pas de nourriture. Et j'en produis pas. Je saurais pas trop. Si là je peux en mettre 15. J'ai un petit 18 par là. Donc on va le prendre. L'atelier du bois. Alors, on est en train de se développer tranquillement. On n'a pas encore assez de pierres. Déjà plus de nourriture, mais la nourriture là, ça devient vraiment compliqué. On a exploité tout ce qu'on pouvait ici. On va donc demander des fermes dès qu'on peut. J'ai l'impression d'avoir fait les casernes plus tard que d'habitude. On a dit la ferme parce qu'il nous manque de la nourriture. Ouais, par là pour le moment, c'est bien. Là, on
Oui, il est bien. Tic, tic, tac. Attendre la fin de celui-ci, voilà, comme ça on peut mettre un là. Alors, les mines, ici je crois que c'est 4, 5 et 2. Donc on commence par le 4, c'est bien là, ouais. On commence par le 5. Là-dessous. Chalet, je gagne peut-être pas assez d'or pour ça. Voilà, marché. Et non, mais en fait, je posais d'abord mes fermes, c'est pas grave. Dès que la carrière aura fini son cycle, on pourra poser l'entrepôt. Mais avant ça... Alors, 40, 36... On va commencer par là et puis on va s'étendre vers l'eau et tout ça. Très bien. On n'a pas regardé, mais la ville, le village de la terreur est terrifiant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut faire une porte. On va blinder. Ici, on va faire un mur. Tout simple. Et ce sera déjà bien pour le début. Je viens de voir qu'on a eu une carrière qui est finie. Voilà. On va se mettre là pour le moment. Toi, tu fais pas de recherche, mais c'est pas si grave. Par contre, toi, il faut continuer à faire des productions, mais pour ça il va te falloir des travailleurs. Oups. Tac. Great.
Oh là là. La grande bâtisse quand même. Alors, on construit, on a déjà plus d'or. Attends, de quoi? Le petit planqué tout seul qui aurait pu tout faire. Tout désinguer. Alors on a une baliste. La première, je veux la mettre genre ici. Bah parfait, vu que si je la mets de ce côté, elle se fera sûrement désalimenter quand elle sera détruite, comme à l'instant. Donc on va plutôt la mettre de ce côté. Voilà. J'aurais peut-être dû regarder le marché avant, il nous faut des travailleurs de toute façon. Donc toi tu vas faire une patrouille qui va commencer genre ici. Ça, ça. Le marché, on va avoir les sous et les travailleurs avec le train. Parfait. Plutôt l'arrêter de ce côté, hein. C'est pas grand chose, mais c'est un poil mieux. Ce qui fait que là, on peut faire quelques maisons en plus. De ce côté-ci. Alors, les tentes sont produites. On en veut plus. Je pense que par contre, la banque, je la mettrais plutôt de ce côté. Roger that. Our forces are in
Units under attack. A new task? Yes, tell me. But be quick. Okay, let's do this. Our forces are in danger. Okay, but it's gonna cost you double. Gotcha. Our soldiers are in trouble. Oh, here we go again. You are gonna pay me for this, right? The train has arrived what at do the you station. Want now? Ok, c'est tendu, c'est tendu. Qu'est-ce qu'on veut? On veut tac, tac, je crois. Oui, parce que là, c'est la fin. Du coup, il faut s'étendre. Étendre son emprise énergétique. Hop. On peut avoir envie d'un peu de pierre aussi. Maintenant, avec le marché, la pierre en excès devient de l'argent. Donc, ce n'est pas perdu. Ok, celle-là, elle se retrouve, c'est pas grave. Faut partir là-dessus, c'est que dans 5 jours les... J'ai l'impression que ça saccade un petit peu. Alors... Plus d'énergie, très bien. C'est un peu dangereux ici. Ça, ça a besoin d'énergie, donc faut s'y mettre. Oui, la recherche est terminée. Oh, j'ai tout pour l'atelier en pierre. Ni même pour les chalets. Les fermes. Je
un peu moins bien, mais ça permet d'avoir celle-ci. Ce qui fait qu'on dépense un peu plus de sous en investissement, mais on gagne un peu au global. Voilà, faut pas trop avancer, vous faites suffisamment de bruit là pour qu'on attire un peu trop même. Bon, ça a pas l'air trop attiré là-haut. Le but c'est de dégarnir sans se faire mettre en danger en fait. Non, là, et ceux qui passent là-haut, bah, ils ont les rangs de backup qui sont là exprès pour les recevoir. Oui, là t'es parfait, là t'es parfait. Et on va devoir s'occuper du fer, je me souviens plus. 6, 4, c'est presque, ouais, c'est 4 comme ça peut-être. Sinon c'est 4 et... On va commencer par le 6. C'est peut-être pas l'optimal, mais je pense que ça sera suffisamment bien. Beaucoup de travailleurs, l'énergie ça va encore. Non. Quatorze, ouais, ça tire par là. Et plus. Une 10, 13. Là, ce qu'on vise, c'est l'atelier de pierre. Du coup, il nous faut une blinde d'or et les ouvriers. Les ouvriers, je pense qu'on va les avoir, là, les travailleurs. Mais les 1000 d'or, c'est pas tout de suite. Ouais. Ça avance petit à petit. Les 1000, on les a pas encore. Quatre, pauvre. Oui, ici on peut genre faire 4. Ici on a un 7 et ouais, ici un 4. Là on peut faire un 11. C'est parfait un 11. Donc on est en train de vouloir surproduire du bois. On n'en met qu'une seule en éclaireuse. Deux en éclaireuse un petit peu avancée. Pour attirer un peu les zombies, mais pas trop. Et la masse derrière pour faire les dégâts. Je sais pas si c'est un bon plan.
so tired. Last night was... Units under attack. Ennemis proches de cette position. Ah, va falloir qu'on... réoriente le peloton. Ah, ils arrivent du sud. Vous savez quoi, on va faire au propre. Voilà. Donc ça sera notre ligne de défense secondaire, tertiaire ou je ne sais combien. Propre. Notre principale, elle va plutôt se mettre là. Et après, on prendra toutes les zones comme on peut. S'ils arrivent du sud, on se souvient avoir dévoilé toutes les cartes, ils viennent comme ça. Je crois que ce sera plutôt par ici. On peut tout de même en mettre quelques pieux par là. Voilà. Et pas de bois. J'ai trop dépensé en pieux, j'aurais dû d'abord dépenser en grande baliste. Oh. Oh non, trop proche. Une baliste ici, on en mettra une autre ici, voilà. Si le besoin s'en fait sentir en tout cas. Vous allez là, vous allez là, vous allez là. Oh, il va sortir lui. Tu viens là. Tu vas là et tu vas... Voilà. Et il passe tout autour. On a assez, plus assez de travailleurs, plus du tout assez de travailleurs. Bloc là, c'est un bâtiment, d'accord, dommage. Lui, je suis pas sûr. Voilà, et après ça...
Non, non, vous, toi tu sors, toi tu te déplaces, toi tu sors. Tac, tac. Tac, tac. Voilà. Alors on a vu qu'il aimait bien aller juste tout droit là, donc on va faire ça aussi. Voilà, tout se passe correctement, on n'a plus de thunes. On n'a plus de thunes. Bien. La banque attendra parce que c'est quand même pas mal d'investissements avant d'atteindre la banque, alors que là on peut juste rechercher les chalets et commencer directement à. Avoir des sous. Sinon, je le mets là en fait. Oui. Au secours. Voilà, on se débloque un petit peu, tac. Other units to bother? Oh, more orders. What? Great. Oh, more orders. Yes. What? Are you sure? Our forces are in danger. Ça a pas l'air de tirer là-haut. Donc c'est bon. Quoi ? On veut une banque. Vous. On veut des Rangers. Et on veut
Des chalets aussi. Pas l'air d'attirer par ici. Donc ça attire pas le... Que ça n'attire pas les gens du village de la terreur là ou de la peur, je sais déjà plus le nom de la mission. Terreur, ça me va. Mettre un mur là, c'était un peu compliqué. Autrement, je garde ma défense ici. Non, mais vaut mieux avoir une deuxième ligne de défense ici, comme ça, au cas où. Au cas où on peut faire un peu de musique. On va mettre une porte là. Et est-ce qu'on en met une là? Je sais pas. Et là, on va essayer de rejoindre par ici. Plus d'énergie. On commence quand même à attirer le village, on va reculer légèrement. Maintenant qu'on a fait ça, on a besoin d'énergie. Et l'énergie, on va le gagner avec les centrales à énergie. Ah oui, j'avais pris l'académie des Murtels. Du bois, de l'or, machin. Il nous faut de l'énergie de base. Il nous faut un peu d'énergie. Oui, et les guêpes, je les ai pas encore.
Il y avait des gens dehors? Ok, il y a des gens dehors. Vous, ici. Et toi, oui, tu viens là. Et c'est Clireuse là-haut qui. Je les ai entendues mourir, mais je comprenais pas du coup. Elles ont éclairé pour rien. Euh, 21 jours sur 31, très bien. Tac. Attendez, les maisons, c'est peut-être pas pour tout de suite. Ça, on a à peu près tout ce qu'on veut. Les maisons, c'est peut-être pas pour tout de suite. Par contre, on peut voilà, augmenter ça tant qu'on peut. Et continuer les champs, tout simplement. Si on est là, est-ce qu'on pourra en faire d'autres sur la ligne, donc autant prendre le meilleur qui n'est pas 53 mais 67. Encore? Fait tout pour avoir la banque, j'ai totalement oublié de la poser. Non, ça, j'ai pas de sous. J'ai pas de sous, mais ça n'empêche pas
de faire ça et de faire surtout des pieux. La banque, on a dit, il y a besoin du bois et de bois et d'or. La guêpe, ça m'avait l'air intéressant. Quand on parle de guêpe, on avait lancé tout notre or. La banque. J'en étais sûr. Ces deux maisons, au final, sont en trop. Par contre, ce qui n'est pas en trop, ce serait de faire un peu de... De s'étendre un peu de ce côté-là. D'or, on peut pas les stocker en fait encore. Ouais, on est à 4800, donc il va nous falloir plus toujours plus plus d'énergie. Non, pas quoique. Qu'est-ce que je veux? Je veux ça, mais il me faut de l'énergie. L'énergie est en cours. Ce que je peux essayer de faire, c'est. Non. Faut que je déplace juste une case pour qu'il protège son pote ou juste là même. Voilà. Quelque chose comme ça devrait... aider à défendre.
J'ai plus de bois, j'ai plus de bois, je n'ai plus de bois. C'est bon. Là, on fait bien la double rangée, sinon, comme on a vu, les ennemis passent à côté, on passe à travers. Alors, plus de nourriture, mais faut du bois pour ça, pour améliorer ça. Améliorer ou remédier carrément à ça. Je pense que j'aurai pas les sous pour tester sur toute la longueur. 5, 77, 62. Oh, pile poil. Là, c'est un front qui arrive petit à petit ou ça se passe comment? J'ai déjà deux casernes, c'est pas mal. Oh. Oh. Et voilà, j'aurais fait toute cette zone-là en ferme. Ici, ici. Ah, faut que le... Oh, putain. J'ai l'impression que je devrais en poser, genre... C'est parti, j'en mets un là, et puis j'en mettrai un autre en bas. Ce qui me fait penser que... Je ne produis toujours pas plus que 6 de fer par cycle. Oh. Ah. Oh. You are gonna pay me for this, right? Yeah. Non. Ah, je me suis coincé.
Quelque chose comme ça. Et j'ai pas mis de guêpe de ce côté-là. Alors, oh, juste une, ça devrait aller. C'est quand même des moins grosses attaques. Ça fait un bout de temps que j'ai pas augmenté ma production d'or. Et ça devient un peu problématique. Je pense que je commence à avoir assez de rangers. Du coup, on va partir sur les soldats. Voilà, c'est bon. Ce côté-ci, il s'arrête. C'est largement géré tout ça. Ok. Qui a un peu souffert, elle a tanké avec son front de Banshee. Alors ici c'était comment? 5 c'est pas mal, je crois que ça nous... Si ça nous bloque le 6 là. Autrement c'est 4 et 6. 4 et 6 et 5, ça me paraît bien. Non. On a plus d'énergie. On va quand même rechercher les murs en pierre. Les snipers, j'ai un doute. Plus d'énergie, oui. Ce que j'ai aperçu là, ici. Oh mince. Voilà.
attacks. Attention. Building completed. Attention. Technology research finished. What? Attention. Building completed. J'ai entendu que la recherche était faite, donc lui, il n'y a plus rien du tout. Lui, il y a des trucs, mais qui nous intéressent moyennement. Là, au maximum, on peut avoir 8800 d'or. Et les deux trucs demandent moins que ça. Donc, on a théoriquement suffisamment de d'entrepôts. Ah. Alors. On va se mettre là, je crois qu'il y a tout qui est pris, je commence à plus rien voir. Ouais, elles sont passées devant, c'est bon. On va pas forcément monter tous les murs de niveau, pas tout de suite, mais toutes les portes. Ça me paraît pas si déconnant. Donc là, on va vouloir murer ici, là, parce que c'est le bord de la carte, donc là et là, plus ou moins. Et ici, parce que c'est le bord du cratère. Ce qui reste plus ou moins proche d'un bord de carte. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment atteindre le plus vite possible le bord. Ici... Je pense qu'on va faire un mur ici et un mur là. Par contre, évidemment, voilà. Il n'y a peut-être pas besoin de porte ici, mais on va. On en fera un mur. Ici, on a dit qu'on avait 4. On va pas cracher dans la soupe. On va se mettre par là. Et il est temps de faire des murs. Protéger notre terrain, nos avancées. Ils arrivent de l'est, donc par ici, voire même ici. Euh,
On va faire ça. Et là où c'est marrant, annuler, j'ai dit. Et que la baliste que je... Enfin, les balistes que je pensais mettre là pour ici vont aussi protéger de là-haut. Au cas où. Il nous faut plus d'or. Je préfère les mettre là que vraiment là parce que en 3 heures j'aurai pas vraiment le temps. Alors que ici, elles vont se construire, elles vont protéger quand même. Je pense que c'est pas une bonne idée d'aller se planquer là-dedans. Et peut-être... Non, elle est morte. Alors, ça s'est plutôt très bien passé. La grande baliste a quand même été désactivée. Faut que je trouve un moyen
Peut-être de passer l'énergie de là à là ou un truc comme ça. Bon, après, ici ça a été désactivé donc. Bon, surtout. Ah oui, eux deux, elles étaient dehors depuis tout ce temps, pas de soucis. Alors, 5. Et on a dit. D'abord, on reconstruit. On va mettre un 8 là, même si c'est pas ouf. Comme ça. Comme ça, je suis certain que lui ramène à lui, qui ramène à lui, qui ramène à lui. Il y a au moins de l'électricité qui peut arriver jusqu'ici. Si jamais ça repasse par en haut. Après, évidemment, je suis ici qui est. Ces deux-là qui sont exposés, donc. À un moment, exposé quoi. Ils vont juste crever, plus ou moins, quoi qu'il arrive. Quand la situation l'exigera. Alors, ouais, comme ça. Alors, là, peut-être une là. Allez. C'est aussi qu'il faut du bois, au secours. Bon, bois plus de bois. Hein.
Du bois quand même. Mais ça suffira, je pense. Voilà. Et en fait, je suis en train de me demander si je garderai pas le mur ici. Et si je serais pas juste en train d'attaquer la ville de ce côté-là. Par contre, si je fais ça, j'ai absolument besoin d'avoir des murs en pierre. Tac. On va quand même booster un peu la défense de l'autre côté. Là, on a déjà une jolie armée de ce côté-ci. Comme je disais, de ce côté-ci aussi, il va falloir défendre un peu. Il reste 8 tentes. Ah, j'ai plus beaucoup de nourriture.
Lui, 65. Ici, on avait dit qu'on pouvait quand même mettre une rangée de... Bah, deux maisons, justement, en plus. Et ça va être assez là. D'accord. Et, plus de nourriture. 12. Tac tac tac. On va se mettre quand même côté défensif ici. Non. Alors vous allez là, vous avez besoin de deux collègues, voilà, 4, vous allez là, et toi tu vas rester là toute seule parce que j'ai personne d'autre, 4, 5, 7, il m'en faudrait 7. Oups là. On va faire ça quand même. Voilà, normalement là, les défenses statiques sont plus ou moins remplies. Ah, on va pouvoir passer d'énergie, mais on va quand même révéler toute la carte. Voilà, on révèle toutes les cartes, on voit qu'au sud-est, on est bon. On voit aussi que j'ai plus d'yeux à cause du soleil. Bon, ça, on s'en rendait compte déjà avant. Des maisons, on va faire des maisons format maison. Il manque de l'énergie. Pour une série aussi, il faut de l'énergie. D'accord, très bien. On va quand même partir du principe que l'énergie, c'est important de produire localement. Et par ça, je veux dire dans la... Dans la partie principale de
de la base. On se répartit plus ou moins sur une ligne. Je me demande si je vais pas bien d'avoir une ou deux casernes de plus quand même. Mais en faire 4 de plus, comme ça on sera safe entre guillemets. Ce sera déjà pas mal. Tac. Et du coup, en mettant les... C'est pas grave. Tac. J'ai plus de travailleurs. Faut que j'arrête de faire des soldats en fait. Parce que je vais vouloir faire l'Académie des Immortels. Pour que mes soldats deviennent directement diplômés de vétéranitude. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut mettre ça? Là.
Toi qui n'as pas... Et toi? Et toi? Deux flancs, en tout cas, c'est le dernier groupe d'unités qui... Il n'est pas... vétéran. Les entraîner. L'Académie des Immortels. Dans cette glorieuse académie, les héros les plus connus entraînent les armées pour qu'elles combattent avec les compétences et le courage des soldats vétérans expérimentés. Toutes les unités sont évidentes. Ah oui, mais même ceux qui sont déjà sur la carte de camp. Bah parfait. Je pensais qu'il y avait besoin de les entraîner, mais quand même, mais non. Si, on gardait en arrière-plan pour faire ce qu'il veut. Donc on a besoin de nourriture. Oh, yeah, yeah. Là. Est-ce que 10 c'est tentant? 10 c'est tentant parce qu'on a quand même beaucoup dépensé en... Oh merde. En énergie. On dépense beaucoup de bois pour faire de l'énergie. C'est une zone qui est pas alimentée ici. Ah ouais. Sept, 12. Pourquoi le 12 il est pas alimenté? Parce que je vois rien, voilà pourquoi. Thank you.
En fait, on va défendre ici, parce que là, on a une vague qui arrive. D'ailleurs, on a combien de jours? On a 72 jours, d'accord. J'ai fait une impe. Là on a le 12, mais le 12 ça nous bloque. On va avoir 2, donc le 7. Et on n'a pas les sous. Donc vu qu'on sait que le 7 il est bien planqué ici. 9. Et je crois que ce sera le 9 et le 7 qui sont compatibles. Allez les impôts là, j'ai besoin de mes 2000 balles. Voilà. Du sud. Ils viennent du sud, mais vous, vous avez attiré aussi pas mal de monde. On va mettre ça quand même. Hein. Donc du sud, ça veut dire ici. Et là, je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'on est bien protégé. Je viens de me rendre compte que... Non, là, il manquait quand même ça. Par ça, on est bien protégé. Alors, ok, où je bouge pas mes troupes. Les nouveaux, vous venez là. Mais je pense qu'on va juste faire ça. Je voulais monter, mais c'est trop tard. J'étais en mode c'est bon, c'est déjà fini. Non. Heureusement ou pas, non. Vous visez ça et vous visez ça. Reporting for duty.
Ben voilà. Quand l'attaque est localisée, ça va à peu près, parce que on va dire que c'était non plus. Tac, tac. Je vais pas non plus laisser énormément de... d'espace pour... pas de nourriture, oh là là. Ah mais parce que eux ils prennent de la nourriture en plus. Wow. On continue comme ça parce que. Parce que trouver de la nourriture, ça devient compliqué. Tac. On va tout de même se faire un petit entrepôt là. Avec de la mine. 6. Je crois que je peux avoir un 6 et 4. Et là, je peux avoir un... Other units to bother? My bow and arrows are ready. You again. Are you sure? Commander? Let's go. Attention. Building complete. All right. The train has arrived at the station. Alors. Je crois que là j'ai pris la dernière alcôve. 3, 4, allez. J'ai du 11, le 12, je l'ai piqué. Le 11. Alors là, par contre, ça peut être un peu intéressant. Comme ça. Je pense. Attention. Building complete.
Le truc, c'est que j'aimerais bien récupérer cette zone-là et en faire très rapidement une ville. Mais pour faire une ville, il va me falloir masse de... C'est parti. Hein. Masse de nourriture. Là, je prends un 4. My bow and arrows are ready. The train has arrived at the station. My bow and arrows are ready. Building completed. My bow and arrows are ready. Attention. Building completed. 7, 8, Ouais. My bow and arrows are ready. Attention. Building completed. My bow and arrows are ready. Oh, more orders. Beaucoup trop de soleil. J'essaie de passer à travers la forêt, mais non. Mais c'est même 5, je crois que c'était que 4. Parfait. Est-ce qu'ici... plus ou moins, on peut mettre des... des fermes. Ça, c'est des chalets. Je sais que tout ça, c'est des chalets, mais... je sais aussi que ça sera compliqué une fois qu'on... ça. Plus d'énergie. C'est que plus d'énergie, ça veut dire qu'il faut commencer à poser des moulins parce que c'est moins cher à l'entretien. Station.
D'ailleurs, pendant que j'y pense, si c'est là, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie. Ben, on va faire des moulins ici aussi, hein. De toute façon, il vaut mieux faire de l'énergie là où on l'utilise. Parce que si on fait que de l'autre côté et que de l'autre côté ça se fait déborder, il n'y aura plus d'énergie ici. Donc ça se fera déborder parce que les balistes n'arriveront pas à suivre. Donc il faut faire de l'énergie un peu partout, surtout au centre. Mais j'en ai déjà fait au centre. 2000 travailleurs. Enfin, 2000 colons plutôt. J'ai quand même 400 de bouffe, donc je vais commencer une ville. C'est bon, cette ville-là, elle est full maison. Je peux commencer ici une ville en chalet, du coup. Super, c'est pas tracé des traits droits en diagonale. De nourriture alors que je pensais avoir essayé de prendre tout ce que je pouvais. Prochain train, on devrait avoir quelques travailleurs, ça devrait aider. Alors ici, non, on n'a pas de travailleurs, j'aurais bien voulu miner le fer et la pierre. Le train est arrivé, donc on a des travailleurs.
Là, il faut faire une défense. Ici, il faut en faire une là. Alors, tu bois les pierres, c'est en train d'arriver. Cinq et cinq, dix, et je pense que c'est pas mal. C'est plus compliqué par là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On voulait faire la... une deuxième porte, oui. À l'extérieur, mais c'est pas grave. Ah oui, il y a des gros vomitos qui font des bons gros dégâts. Voilà. Avec tout ça... On va partir là-dessus. On a de la place d'en mettre un peu plus là. Ou alors c'est 5 et 4 8. Pas de bois, mais pas de bois, c'est pas grave, on va faire des... Non, des pieds, on les fera plus tard. Attention.
27, non. Je crois que le 25 il est pas accessible, mais... si le 17 il est peut-être pas si mal, parce que là j'ai un 19 qui reste accessible. Alors, attention. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Ah, c'est une nuée, mais de partout, d'accord. Bah non, alors. Non, non, non. Ce qu'on va faire, c'est juste ça. Tac tac télé télé. Les pieux. Bonjour. J'en voudrais un ou deux. Les murs. Alors ça c'est bon. Le problème c'est que là ça va être compliqué. Là-haut c'est mort, pas le temps. Où vous allez? Ici. Ah mais j'avais encore des gens. Vous. Vous allez là. Vous. Vous allez ici. Et vous. Là. Alors le truc, c'est que... Je pense qu'on va se faire une ligne Maginot comme ça. Et une... Et on va quand même mettre un mur par là en rattrapage. Voilà, plus ou moins. Et en rattrapage, on a dit, je sais pas trop comment. Voilà, sauf que là, il faudra mettre une porte. Une porte, il faut un tout petit peu de bois. On a... Wow.
beaucoup de bois. Non, si vous produisez des gens, vous allez les produire pour ici. Parce que pour le moment, on va garder la plus grosse partie de l'armée de ce côté au nord. Il reste 8 heures. Ouais. J'ai oublié. On les met en deuxième ligne. Et je sais plus, je crois que c'était là pour être sûr de si jamais ça tient au nord ou au sud, mais pas les deux, d'avoir un shortcut, un circuit différent. On va dire pour les pour l'énergie. Puis on peut mettre ça là. On peut mettre ça là. Pas très bien placé, mais...
Quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut mettre un mur, genre... On peut... Alors ici, on va dire que ça a l'air de tenir, mais c'est surtout que ça... Ok, ici c'est en train de finir. Donc vous, vous venez là. Au nord, ça finit aussi. Là, j'ai bien fait d'avoir un double mur et j'étais en train d'en préparer un troisième alors que j'en ai encore derrière. La sauvegarde juste avant la victoire. J'ai l'impression que suffisait... Soit c'est parce que j'ai tué la moitié de la ville centrale, soit c'est... Je sais pas, mais... Ça a déclenché la dernière vague en avance, alors que j'avais fait exprès de... d'essayer de laisser des maisons dans la ville centrale. Pour pouvoir protéger sur la gauche, mais j'ai jamais eu le temps du coup. En tout cas, j'aurais voulu avoir ces défenses-là, plus des défenses plus au nord, comme dans l'épisode précédent. Félicitations, vous avez établi une colonie prospère et ainsi étendu l'influence et la puissance de l'Empire. Oh. Et du coup on a accès à la forteresse d'acier, donc une mission de héros, vu la tête que c'est, le héros doit s'échapper vient de la forteresse, qu'on fera très certainement la prochaine fois, et ensuite on fera cette horde là, puis ce centre médical, à moins qu'il y ait encore quelque chose qui soit débloqué par la forteresse d'acier, mais il me semble que les... missions de héros sont toujours jusqu'à présent en bord de carte, donc on va peut-être faire la forteresse d'acier, la horde, puis le centre médical. Parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que je le vois, on verra bien. J'espère que cette victoire vous aura plu, alors... Ça, en fait, c'est vrai qu'on détruit quand même quelques trucs, mais jamais énormément, donc... je sais pas. 280 pour avoir les machines avancées. Pour récolter du pétrole avec la plateforme pétrolière. Ce qui ferait juste... Aujourd'hui, ça ferait juste une nouvelle ressource qu'on n'utilise pas. Mais rien qu'avoir une nouvelle ressource, ça veut dire que ça nous fait des revenus supplémentaires grâce au marché. Surtout que c'est une ressource de fin de partie. Mais je pense que c'est pas le bon plan. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Les explosifs, pas du tout. Il nous resterait quoi, 160. Ouais. L'énergie. Je pense que c'est comme ça qu'on va l'investir, mais surtout,
On va pas l'investir tout de suite, vu qu'on va faire une mission de héros et que ça n'améliore pas notre héros. Ce qui fait qu'on pourra réfléchir après la mission de héros et avoir encore plus de choses. Mais je pense quand même que la station d'attaque blindée, on peut la prendre parce que... Mais si on la prend pas, ça fera qu'on pourra se raviser au moment de la horde. Donc on verra. On verra, on verra. J'espère que l'épisode et la victoire enfin contre le virage de la terreur vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bye.